Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Donc là, je vais vous présenter le glitch solo avec une nouvelle méthode très rapide. Donc vous allez dupliquer une voiture toutes les 50 secondes. Donc toutes les 40 secondes en gros. La méthode c'est la même, il va vous falloir un camion, le garage plein. Sauf qu'à l'emplacement 1, vous mettrez une Elegy custom. D'accord? Donc on va faire le switch avec deux Elegy custom. On va utiliser une activité récente. On va plus utiliser un ami qui est en visée différente. D'accord? Ça ira beaucoup plus vite et ça marchera nickel. Donc le glitch, on n'avait pas bien exploité. On voulait envoyer comme Obèse Girafe l'avait fait. Donc Obèse Girafe, c'est un anglais, c'est un glitcher. Voilà, il avait repris le glitch à quelqu'un. Et là, on a une nouvelle méthode. Donc, d'accord, c'est toujours pareil. Vous mettez le camion comme moi, le rond bleu sur le trait jaune. Et on va switcher et on va enchaîner. Donc là, vous voyez, je suis bugué. Je vais lancer l'activité récente, deux fois PS. Là, je refuse le message. J'atterris ici. Je reprends mon véhicule et j'enchaîne. Je ressors avec celui-là. Je me mets en marche arrière. Je vais ouvrir mon menu pour pas bugger les ronds. Je me place bien. Dès que j'ai l'écran noir, il va faire un bip. Dès qu'il y a le bip, il faudra faire flèche, compter jusqu'à, enfin, compter, se dire 1 et faire X. Donc en fait, faites flèche, 1, X. Voilà. Là, vous allez arriver là, vous spammez. Dès que vous avez la lumière, vous spammez X. Ça veut dire ça va deux fois, ça va switcher. Les véhicules, là vous serez buggé. Donc une fois que vous avez l'écran noir, ça veut dire que vous avez réussi les gars. Là vous faites deux fois PS, vous lancez GTA Online, vous refusez ce message et vous enchaînez. Vous voyez déjà, je vous en ai fait deux ou trois. Donc vous allez en faire beaucoup. En l'espace d'une heure, vous allez remplir vos garages. Et n'oubliez pas que vous avez un stock, vous avez un entrepôt virtuel que vous pouvez remplir. Donc dupliquez, dupliquez, dupliquez. Même si vous n'avez plus de place, continuez les gars. Remplissez tout. Ceux qui ont une plaque iFruit, vous la mettez direct. D'accord? Vous en faites deux et après vous switchez avec deux. Faudra que vous ayez les deux véhicules avec la plaque iFruit. Ok? Ça sera le top parce qu'au moins vous n'aurez pas des plaques sales. Nous, la plupart qui n'ont pas mis les plaques iFruit, ben on va avoir des plaques les mêmes et il va falloir qu'on les change. Voilà. Donc pour aller dans l'activité rapide, vous voyez, vous allez dans profil. Vous allez activité récente, vous choisissez une activité, acheter un véhicule ou quoi, vous cliquez dessus. Là, je fais PS, X, je reviens dans le jeu. Vous faites pas rond. Faire PS, X. Impeccable. Là, je clique deux fois PS, hop, j'ai mon activité récente, elle est déjà prête. Voilà. Et là, j'ai juste à continuer. Donc je vais en arrière. Je me place à peu près bien avec mon menu. Hop, j'enlève mon menu. Je vais avoir l'écran noir. Bip. Hop, dès que j'ai le bip, flèche de droite, 1, X. 1, je veux dire, vous le dites en fait. Dites 1 et hop, vous savez que vous pouvez appuyer direct. Donc c'est, faut pas faire flèche de droite X. Faire flèche de droite, un petit écart de 1 et X. Là, vous voyez, j'ai switché rapidement. Donc dès que vous avez la lumière, vous spammez X. Pour pouvoir faire l'échange de véhicules. Et vous enchaînez ça comme ça. Jusqu'à temps que vous en avez marre, quoi. Hein? Spammer, donc moi je pense que vous pouvez en faire au moins 300. Hein? Par contre, s'il faut, vous faites un autre personnage. Les gars, après pour vos ventes. Vous allez pouvoir... Je vous ai fait une vidéo pour enlever la limite de vente. D'accord? Donc au pire là, vous allez pouvoir tester à aller à la limite de vente. Si vraiment vous n'y arrivez pas, essayez avec votre personnage 2. D'accord? Votre personnage secondaire, ça marchera. Donc remplissez vos deux personnages de duplic et essayez de trouver un glitch qui change les plaques. Mais faites gaffe, vous allez perdre des véhicules. Moi j'ai fait un test, il fonctionne, mais moi j'y arrive pas. Donc je perds plein de véhicules. Brontango, il a sorti ça, un peu tout le monde, mais... Ça n'a pas l'air aussi évident qu'ils le disent. Donc ça a marché une fois, après ça marchait plus. Si vous voulez voir tous les véhicules que vous avez eus,
Il vous faudra aller dans l'éditeur comme je fais en ligne et vous allez relancer une session sur invitation. Donc moi le glitch, je vous conseille pour que ça bug bien, allez en session sur invitation. Parce que j'ai essayé en mode online et franchement ça buguait. Donc allez en session sur invitation. Vous serez seul, tranquille, ça marchera nickel. Et vous aurez besoin de personne. Là, c'est vraiment le glitch solo au top, au du top. Voilà. Donc méfiez-vous des plaques. Vendez vos véhicules qui ont les plaques différentes. Et ceux-là, il va falloir s'en occuper et changer les plaques. D'accord? Parce qu'à un moment, Rockstar, il va vous baisser les prix des ventes, il va vous emmerder. Donc, patientez un peu avec ces duplications. On va trouver une solution.